la même monde, ça qui est pas possible. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour peut-être la montée enfin en Division 1. La Division 1, je n'ai toujours pas accédé en tout cas sur FIFA 17, donc sur FIFA 17 même plus précisément. Je n'ai toujours pas accédé à la Division 1 parce que je vous cache pas que je me bute énormément à FUT Champion et il va falloir que je me calme parce que ça me rend ouf. Mais bref, donc voilà, il me reste un match. Il me suffit d'un match nul pour monter tout simplement. Donc les gars, voilà ce qu'il nous reste à faire, minimum le match nul, mais ça serait bien de conclure sur une victoire. Malheureusement, je ne peux pas remporter la Division 2 parce que je n'aurai pas assez de points, mais voilà, la priorité c'est monter en première division et enfin gagner la Division 1 aussi, ce qui serait hyper lourd. Je le rappelle, sur FUT 16, sur FUT 16, j'avais remporté la Division 1 du premier coup, je monte pour la première fois en Division 1. En une saison, je remporte la division, donc c'était vraiment un truc de malade. Donc voilà, franchement, ça serait super lourd de pouvoir la remporter au plus vite et de vous proposer ça en vidéo. Pour le moment, on tombe sur un mec, sa connexion est... Non, c'est bon, on peut jouer. Donc, son équipe, il y a du CDB là qui joue, qui est dit défenseur gauche, mais là... Ah ouais, non, c'est la SM. J'étais en train de bugger, excusez-moi les gars. Non, c'est la SM Monaco. Bah, ouais, pourquoi pas, ouais. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être un très, très grand fan de l'AS Monaco. Bah, écoutez, les gars, on va voir ce que ça va donner. Je le rappelle, match nul, ça suffit. Victoire, c'est la base. Allez, pourquoi pas, peut-être la première occasion avec Ariane Robben. Il s'est fait stopper par un frère de crâne. Je te jure, Raggy Robben, c'est les mêmes crânes, gros. On n'a pas le même maillot, mais on a le même crâne. Pour l'instant, les gars, j'avoue que je joue un peu crispé. Inconsciemment, j'ai l'impression de jouer un peu le match nul, mais je veux la victoire, les gars, bien sûr. Chaque match, moi, je joue pour la victoire, et là, c'est très moyen ce que je propose pour le moment. Niveau gameplay, mais attendez, peut-être que j'ai parlé trop vite. Pourquoi pas. Allez, Royce, allez. Allez, corner, allez, premier corner. Pour moi dans cette rencontre. Allez, on va le tirer en force comme on fait d'habitude là ici. Voilà, ici ça peut faire mal. La tête de Socratis. C'est pas grave les gars, première occasion, on est bien. Allez, pourquoi pas maintenant la deuxième. Ouah, faute. Ouah, mais putain, mais les fautes comme ça, il les siffle jamais. Mais sérieusement, l'arbitre, tu sers à quoi, gros? Putain, non mais des fois, je me pose la question. Ça c'est pas faute. Ok, d'accord, ok, bon, on va continuer à regarder le match, on va voir. Allez, oh, il était pas mal le crochet de Thiago. Il était pas mal, hein. Attention, allez, un nouveau corner. Là, on commence à dominer, là. J'aime bien. C'est dommage, le corner. Putain, le changement de joueur, il a mis 10 ans. Allez, pourquoi pas avec Luis Gustavo. Papa, faux espoir. Bim. Allez. Oui. Oh, Anne. Le but le plus dégueulasse de toute l'histoire. Mais je me suis arraché. Putain, je m'étais arrêté parce que je croyais qu'il l'avait capté. Thiago, il fait une vieille frappe, il la repousse. Et là, il va péter un plomb contre Subasic. Oh là là, je crois qu'il va rappeler Flavio Roma carrément. Les vrais connaissent, les vrais savent. Wow, putain, le vieux but dégueulasse. Bon, bref, 1-0, les gars. Pour l'instant, on est vraiment à l'abri. Parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le rappelle, il suffit d'un match nul pour monter en Division 1. Pour l'instant, les gars, l'objectif est atteint largement. À souffrir, les gars. Là, on commence à souffrir. Ah, c'est pas bon, ça j'aime pas ça. Et c'est un truc de ouf comment j'ai le pif pour ça. Je sentais qu'on était pas bien. Là, on était pas bien. On concède un corner bêtement. Derrière, il y a un but. Ah, je le sentais. Ah, là, un partout. Bah, j'ai envie de dire, les gars, tout est à refaire. Juste avant la mi-temps, pourquoi pas faire du mal là. Juste avant la mi-temps, pourquoi pas. C'est contré. Allez, un nouveau corner. Allez, on lui met la pression. Juste au premier. Là. Il est moyennement bien tiré celui-là. Ah. Allez, on la remet dans le tas. Robben. Oh putain, c'était quoi cette vieille frappe de merde? Je me suis précipité. Putain, je pensais pas que ça allait être Robben qui allait avoir le ballon là-dessus. Bon, bref, c'est pas grave, les gars. Donc, c'est la mi-temps. Dans les détails, ouais. C'est assez équilibré. J'ai un peu plus de tir que lui. Il a la balle, mais il en fait pas grand-chose. Voilà. Bref, deuxième mi-temps, les gars, pour l'instant. On est virtuellement en Division 1. Non, Falcao, depuis quand il fait ça? Wow. Et depuis quand Falcao il fait des crochets comme ça, gros? J'étais même pas au courant, moi.
Oh, prévenez-moi, je sais pas, faites une alerte application, je sais pas, faites un truc quoi, merde. Je voulais dire notification, j'ai dit application, je sais pas, me demande pas pourquoi gros. Au final, non. Et oh là là. Oh les fils d'un pute, oh les fils d'un pute. Liqueur de bénéf, pocard qui veut pas que je fasse un peu de marche. Je vais tirer dans la cité puis je vais prendre un peu large. Ton charbon, je vais pas le fouiller, je vais cafouiller sa recharge. Donne ça, donne ça. Je te bois, pas karaté hier, on t'a raté, on se revoit. Fais fumer le tibé, ma vie je peux la clipper. Je l'ai fait flipper comme un scooter qui passe deux fois. J'ai des parchemins d'ennemis, les frères, c'est ça, c'est bon ça. Voilà, Thiago, il est arrivé en force. Voilà, magnifique. Magnifique. Pour le moment, les gars, franchement, là, on est bien. Là, franchement, si on remporte le match, ça sera encore mieux. Mais là, on est sûr d'être en division 1 pour le moment, les gars. Mais bon, c'est que la 56ème minute. Et comme tout à l'heure, il a égalisé peu de temps après mon premier but. Donc, les gars, on va se concentrer. Maintenant, on va essayer de pas se prendre de but tout de suite. Pas que je fasse le con. Bon bah les gars, pour l'instant on est toujours en division 1, mais ça me rassure pas parce que on est à l'abri de rien, on peut se prendre un but encore à la fin et se faire ken quoi, tout simplement. Oh putain de merde. Les gars là c'est critique. En 2 minutes il a retourné le match. Putain de merde. Et voilà, j'ai fait le con. Non j'ai fait le con. On va tout tenter maintenant. Ah de merde. Non, les gars, franchement là ça va être suspect. Là ça va être suspect du ouf. Les gars. Ouais. Les gars, là, je vais tout donner. Je vous jure, je vais jouer ma vie comme j'ai jamais joué ma vie. Et il faut que je monte en division 1. Là, c'est plus possible, les gars. Mais. Mais y'a pas faute là-dessus! Mais. Allez, Vardy. Allez. Bien joué. Reviens à la faute. Allez, le coup franc, je le prends. Avec Marco Reus, il y a moyen. Attendez, on va peut-être tenter un truc. Ouais, mais ça marche jamais, ces conneries. Ah, c'est vraiment marché. Oh, ça marche jamais, ces conneries. Moi, je l'attends. Allez. S'il laisse une action. Oh, mais. Reviens à la faute. Oh, mais c'est trop loin, les gars. Je tente quand même. Putain de merde. Bon bref les gars, la division 1, bon ça sera pas pour tout de suite. Ouais, franchement je suis super dégoûté les gars. Putain non, franchement je suis super dégoûté. Ah je suis super dégoûté, putain de merde. Bon bref les gars, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. Un maximum de pouces bleus en tout cas si tu veux que je retente au plus vite ma chance. Parce que la division 1, il faut qu'on y retourne. Enfin, j'y suis jamais allé. Mais je parle parce que j'étais sur FIFA 16 tout ça. Bon bref, j'arrête de raconter ma vie. Bref, donc si cette vidéo vous a plu, un maximum de pouces bleus. Si tu as toujours envie de découvrir, n'hésite pas à t'abonner. Commente sous la vidéo si tu... Voilà, commente si t'as de la peine pour moi, tout ça. Bref, c'était un qui est pas possible. Je vous aime et je vous fais la bise. C'est quoi son nom à lui? Slashko. Slashko. On dirait un rappeur croate, gros. Ouais, yes, le mic, yo. Yes, frère. Malest TV.